Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau stream dédié à la Mega Drive. Bienvenue à ceux qui reviennent, bienvenue aux nouveaux spectateurs. Bonsoir Mila, premier sur le chat ce soir. J'espère que c'est la forme, un petit instant. Hop, voilà, on arrange un petit peu le décor. Bonsoir Pop and Taco 84, ça faisait un petit bail hein, que je t'avais pas vu. Je vois que notre... La plus grande cambrioleuse de l'histoire de tous les temps, Carmen Sandiego, attire du monde. Tu es de retour. Écoute, j'espère que tout va bien, Popentaco 84, que tu es en forme, pour cette soirée dédiée à l'enquête, au mystère et à la culture générale. Bonsoir, Astanoès. Joli émoticône. Tu traînes sur des Twitch de chat ou comment ça se passe? Comment tu as à chaque fois ces magnifiques émotes? Sur quelle chaîne est-ce que tu traînes? Je ne sais pas. Dois-je m'inquiéter? Hop, je m'hydrate. Des chaînes indicibles. Oula, oui, d'accord. Genre des chaînes où des gens fans de Nintendo traînent. Des trucs pas très fréquentables, donc, hein, j'imagine. Bon, c'est bien que du coup, tu viens un petit peu te ressourcer. Hein, te ressourcer ici, dans l'antre du bon goût. D'entre du bon goût, dans l'antre de l'humour subtil. Hein. Bonsoir Arunotaku, hey, salut, comment ça va? C'est pas souvent, disons. Je pense que, est-ce que le fait d'avoir avancé mon stream, j'arrive à choper des gens avant qu'ils commencent l'heure? Peut-être. Est-ce que tu as vu le thème de la soirée, Arunotaku? Je vous invite à follow Arunotaku, qui est un ex, qui est un super, super streamer, hein. Qui stream du Sega, mais pas seulement. On entend Miyu. Oui, Miyu est en con. Mais écoute, moi ça va, c'est la forme. Voilà, petite reprise de boulot tranquille. Je rentre, je me remets dans un petit week-end à Londres hein, pour la sortie de Persona 3 et 4. Donc c'était très sympa d'ailleurs. J'ai posté quelques photos et vidéos là sur les réseaux sociaux. Donc c'était une bonne ambiance, voilà. C'était vraiment très très sympa. Donc voilà, bah, et quel timing, au moment où je parle de la soirée de lancement, voilà, on a publié aujourd'hui le test de Persona 3 Portable, sur Switch essentiellement, c'est là-dessus que j'ai testé le jeu, avec un petit tour sur Xbox, pour voir un petit peu la technique. Donc voilà, le test est en ligne depuis tout à l'heure, cet après-midi, donc allez-y si ça vous intéresse de voir comment tourne cette version, si vous ne connaissez pas le jeu, bah, écoutez, c'est l'occasion d'avoir un avis tout à fait subjectif. Évidemment, comme tous les avis, mais écoutez, c'est comme ça. Tu refais ta Xème run de Persona 4 Golden. Oula. Xème, ça veut dire combien? Parce que Persona 4 Golden, c'est quand même 80 heures de jeu, quoi. Donc, moi, j'ai adoré, hein. J'ai adoré Golden. Je préfère le 5, mais Golden a quand même ses... ses points forts, je trouve. Bon, j'en parle un petit peu dans le test. Bon, ok, d'accord. Mais écoute, force à toi. Vu que je me couche un peu plus tôt que d'habitude maintenant, je vais pas trop tarder à lancer la soirée. Donc ce soir, on va jouer uniquement à deux jeux, je pense. Alors, soirée vraiment thématique. Donc on va jouer d'abord à Where in Time is Carmen Sandiego sur Mega Drive, jeu de Broderbund, sorti en 85 initialement. Et après, on va enchaîner avec Where in Time is Carmen Sandiego, sa suite, qui est sortie, je crois, en 89 initialement, et qui est un peu plus costaud. Donc on va faire ça, je pense une heure de chaque à peu près, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe. On va se garder les jeux de sport hein, pour la prochaine fois. J'espère que vous serez sur le coup, parce que je sais pas si mon niveau de trail poursuite est tout à fait au point. Mais avant de commencer, bien évidemment, bah, il faut un petit générique. Et il se trouve que, peut-être que vous l'avez connu à l'époque, mais Carmen Sandiego a eu droit à son jeu télévisé, diffusé en France, dans les Minitel. Et donc, et voilà, j'ai retrouvé, et voilà le générique. Vous saluez. Le monde entier recherche Carmen, se promène entre l'Ukraine et la Guinée. Mais la vie, c'est ses complices, les deux traînés des Indiens. Qui rappelle de la fête, de la Chine ou du Mexique, New York, Tokyo. Je vais mettre l'URL de la vidéo complète de l'émission. San Diego, Carmen. Signe particulier porte toujours un imperméable et un chapeau rouge.
Cette voleuse internationale dirige un gang de malfaiteurs. Votre mission, arrêter Carmen Sandiego et ses complices. Attention, chaque détail peut cacher un indice capital pour mener l'enquête. Bonne chance. Bienvenue sur le plateau au détecteur rouge qui s'appelle Kevin. Détecteur rouge Kevin. Et les Lego. Hey, hey. On accueille maintenant sur le plateau le détecteur bleu qui s'appelle Tanam, qui aime le karaté et aussi les jeux vidéo. Ça oui. Va ? Bienvenue sur le plateau au détecteur jaune qui s'appelle Damien. Et qui aime les poissons exotiques. Yeah. Les poissons exotiques Damien. Allez, c'est parti. Attends, je suffis, pas de choix. Pas deux fois de suite. Et voilà, on est dans le mood pour jouer à Carmen Sandiego, qui, je crois, est une série vraiment à succès. Je pense que qui a joué parmi vous dans le chat à Carmen Sandiego à l'époque? Et si oui, sur quel support? Parce que c'est un jeu qui est vraiment sorti partout. Sur micro, sur console. C'est vraiment le jeu vraiment emblématique, je pense, d'une génération. Qui a aussi connu une adaptation en série télé, en série animée à l'époque, une série récente, année 2010, il me semble. Tu l'as saigné sur PC. Ah. Alors, parce que Carmen Sandiego, c'est sorti sur... attendez, c'est sorti sur Windows, Apple II, MS-DOS, Commodore 64, Master System, Amstrad CPC, ordinateur couleur, Macintosh, Amiga, PC Engine, Atari ST, Mega Drive, Super Nintendo, NES, macOS, Xbox, PlayStation 2, GameCube, Nintendo DS, Facebook, oui, iOS. Donc voilà, c'est vraiment une série qui a vraiment une vraie histoire. Et tu joues de temps en temps. Écoutez, on va voir ça. Allez, on va chercher le jeu. Alors, Where in the World, qui est le premier épisode, donc de 85. Donc, qui je suppose a dû un petit peu Brésil, non. Hop, c'est parti. Ouya, Stadia, Pico, Pledia, PCFX, 3DO, CDI. Et ça plante. Non, ça faisait longtemps que ça n'avait pas planté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, tac, tac, tac. On relance, c'est pas grave. Hop, Where in the World is Carmen Sandiego. Vas-y, tourne. Ah, ça marche. Et ça replante. Bah. Qu'est-ce que ce travail? Pourquoi est-ce que ça plante, là? Parce que je pourrais pas jouer un brésilien, ça c'est sûr. J'ai pas le niveau pour ça, mon portugais est un peu rouillé. Ah, voilà. Bon. Le gang de Carmen a encore agi. Where in the world is Carmen Sandiego? 85-91, la version que j'ai Mega Drive. Hein. Français, mais oui, français, bien sûr. Kevin Pepickle, Jackie Ritchie, Tony Dee. Ça va trop vite, on n'a même pas le temps de dire. Alors, bureau central. Quel est mon nom, détective? Eh bien, mon nom, c'est Shenron. Détective Shenron, c'est parti. De sexe féminin. Mon code d'accès, je débute, donc j'ai plus sur start. Alors, va assassiner le Caire, le butin, le masque du Toutankhamon. Ah, Choplifter, très bon jeu ça. Un homme non identifié a été aperçu sur le lieu du crime. Votre mission, poursuivre le malfaiteur du Caire jusqu'à son repère et l'arrêter. Ok, d'accord.
Vous devez arrêter le malfaiteur avant dimanche 17h. Il est lundi 9h, donc j'ai une semaine. Bonne chance, inspecteur Shenron. Alors, suite à la mesure... Le Caire est la plus grande ville d'Afrique. D'accord. Attends, option. Il y a quoi en option? Non, je... Mais encore. Attends, mandat. D'accord, en fait, faut que j'identifie chaque élément. En fait, c'est qui est-ce, en fait. Ça a l'air d'être un peu comme qui est-ce. C'est quel jeu, alors, Mila? Sortez. Recherche. Ah, ok. Bon, écoutez, moi, je vais aller au club sportif, hein. Il paraît qu'il voulait explorer une forêt tropicale. Il m'a offert d'aller faire un tour dans sa décapotable. Ok. Kuala Lumpur et le je sais plus quoi. Oula, faut demander aux archivistes du chat, là, je ne connais pas ce jeu. Une forêt tropicale. D'accord. L'homme que vous cherchez était ici. Ça, c'est un homme. Il partait pour une île de l'Asie du Sud-Est. J'ai remarqué son tatouage sur son bras. Eh ben voilà! Alors, attends. Mandat. Sexe masculin, déjà. Signe particulier. Tatouage. Qu'est-ce que j'ai comme dossier? Charlatan. Sexe homme. Mmh. Ah, bah je l'ai, c'est charlatan. Tanam qui aime le karaté et les jeux vidéo aussi. Joueur de hockey flambeur, alpinisme, couleur de cheveux roux, décapotable, tatouage représentant. Bah c'est lui. C'est lui. C'est lui qui a le tatouage. Une bague de 5 carats au petit doigt. Ouh, bah c'est lui, c'est charlatan. J'en peux plus. les petits plaisantins. Préfère les trench coats sales et les chapeaux mous à bord rond. Ok, d'accord. Henri Deveau. Oh, Henri Deveau. Je l'ai. Mm-hmm. Yvon Lavallée. Ah, putain. Ah non! Tatouage ukrainien sur l'épaule droite. Ah, du coup, ça peut être peut-être machin. Attends, qu'est-ce qu'elle me disait, la meuf? Mais j'en viens! Bon, du coup, je sais pas qui c'est. Bref, je vais à l'aéroport. En Asie du Sud-Est, bah c'est Singapour, de toute façon. Allez, on y va. Ah, hein, Singapour est formé d'une grande île de plus petites îles, 40 petites îles. Très bien, très bien. Alors, interrogeons les autochtones. Allons voir à l'aéroport. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un complice, je suis sur la bonne piste. On raconte qu'il s'est envolé à bord d'un avion arborant un drapeau avec l'emblème du soleil sur ses ailes. Il a parlé de ses... Exploits d'alpiniste. Ah, l'alpiniste. Ça veut dire que c'est... L'alpiniste, c'est charlatan, non? Voilà, c'est charlatan. C'est clairement charlatan, donc je pense que je peux déposer un mandat contre charlatan. Hobby, alpinisme. Ah, je pense que... Hein. Il avait pas dit... Elle avait pas dit aussi la meuf, là, le décapotable dans la jungle. Véhicule décapotable, vérification. Suspect charlatan. Et maintenant j'ai un mandat d'arrêt contre lui. Ah ok. Donc il a dit qu'il partait où? Merde, j'ai perdu le... Ah oh, putain. J'ai oublié le témoignage. Où est-ce qu'il partait? Bon, je perds un peu de temps mais c'est pas grave. Je pense que je suis large. Un avion arborant un drapeau avec l'emblème du soleil sur ses ailes.
Le Népal, non? J'ai vu l'homme que vous cherchez. Il s'intéressait à la géographie de la Terre de Feu. Amérique du Sud, ça. On va aller au palais pour voir. Un drapeau, ok, bon. Alors, la Terre de Feu. La Terre de Feu, de toute façon, c'est... Ah bah oui, le soleil, c'est l'Argentine, hein, évidemment. Allez, Buenos Aires. Mmh, d'accord, ok. Ah, on va à la banque. Point, 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 point. Haha. Bon, le livre Sterling, a priori, ça va être l'Angleterre. Voilà. Allez, on prend l'avion. London, bah tiens, j'en viens. Millions d'habitants, Londres est la plus importante métropole du Royaume-Uni. La Tour de Londres et Big Ben comptent parmi ses monuments les plus réputés. Je vais aller à l'hôtel. Il compta se rendre en terre de Baffin. Je sais pas où c'est la terre de Baffin. Alexander Mackenzie. C'est écossais, ça, non? Oh là là, le temps que ça prend, ça? Ah non, c'est au Canada, du coup. Allez, on va à Montréal. Très bien. On va à la banque directe. On va le capter à la banque, je pense. Hé hey. Ah. Il se passe des trucs en ville. C'est lui, là. Voilà le suspect. Bon, bah, c'est là que je l'arrête, non? Hey! Un de moins! Ah bah c'est pas... non, c'est pas de l'action, c'est pas un jeu d'action, hein, c'est pas la roue de la fortune non plus, hein. Allez, Edin! Un petit deuxième. Il avait bien le butin! Le masque de Toutankhamon qui sera bientôt remis aux habitants du Caire. Et ben voilà, super, hein, pour une fois qu'une œuvre, comment dirais-je, archéologique retourne dans son pays. Excellent travail, je suis promu maintenant. Allez! Voilà, Rome, le butin, la voûte, je sais pas le Sixtine, rien que ça. Un homme est aperçu, d'accord. Dimanche, 17h. Bon. Allez. Ça manque un peu de musique, non? Enfin, je pense à mettre un peu de musique de fond, des fois. Une redelette d'un pays voisin d'Italie. D'accord. L'histoire de la philatélie. Alors, qui est fan de philatélie parmi tous les méchants? Ils vont l'avaler? Non. Henri Deveau, il aime bien la philatélie ou pas? Non. J'en peux plus, il aime bien la philatélie? Nope. Et si Monte Cristo?
Nope. Ah, peut-être que c'était une femme alors. Alpiniste. Ah, ils sont pleins à être tatoués en fait. Sophistiqué. Non. C'est l'innocente. Ouais, non, c'est pas. Simona Lisa. En fait, ils aiment tous les mêmes choses en fait. Et Carmen Sandiego. Hey. Bon, eh ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'on me dit au palais? Un drapeau bleu et blanc. Voisin d'Italie. Et de la philatélie. Ça va être où? Bah, Saint-Marin. Le drapeau de Saint-Marin, il est bleu et blanc. De toute façon, l'Islande, c'est... Ah! Je sais pas. Saint-Marin, c'est comment? Attendez, je vais tricher. J'ouvre mon dictionnaire portatif. Drapeau Saint-Marin. C'est bleu et blanc. Saint-Marin. Hop, voilà. Donc, on y va. Go pour Saint-Marin. Un peu, c'est bien pour la rando, ça. C'est pas mal. Alors. Il est bien là. Un complice. Je dois être sur la bonne piste. Eh ouais. Une forêt tropicale. Elle avait les cheveux blonds. Eh ben voilà, on va commencer. Cheveux blonds. Ça me met un drapeau rouge et blanc, forêt tropicale, d'accord. Donc, apparemment c'est un homme. On va mettre au dossier. Et bon, ouais, drapeau rouge et blanc. Bon, écoute, où est-ce qu'on va aller? Drapeau rouge et blanc, forêt tropicale. De toute façon, je vois que Singapour encore. Hein. Singapour, c'est rouge et blanc ou pas? Drapeau Singapour. De toute façon, je vois que ça. Hein. Drapeau Singapour. C'est rouge et blanc, c'est rouge et blanc. Donc, on va retourner à Singapour. Oui, bah. Ok, je suis déjà venu ici. Des crocodiles du Niger, il avait un chauffeur. Il avait un chauffeur, tiens donc. Tombouctou. Ça me dit pas à quoi il ressemble. Il a voulu surenchérir sur le cours du riz. Ok. Bah, en plus, Bamako, hein. Mais je vois pas le... Pas trop le rapport. Ah, c'est Tombouctou, d'accord. Bon, j'aurais appris un truc, Tombouctou, c'est au Mali. Bon. Une carte de la taille, un tatouage sur le bras. Allez, go. Encore un tatouage.
Un drapeau rouge, blanc et bleu. Bah, c'est la Thaïlande. Ah bah, c'est un jeu, oui, c'est pas un jeu stressant. Hein. Un drapeau rouge, blanc et bleu. D'accord, ok, super. Donc ça me sert à rien, vous me servez à rien, tous, là. Attends, la Thaïlande. Tant d'années à jouer à Street Fighter 2 et pas se rappeler comment le drapeau de la Thaïlande. Vous sentez ça? Allez, on y va. Faut que je tente de vous caler une petite playlist, là. Bangkok est une ville très animée. Elle est construite sur de nombreux canaux et caractérisée par de magnifiques temples appelés les Wat. Ok. Alors. Bon, je suis sur la bonne voie, toujours. Photographier une rue huppée. Ah, est-ce qu'il y en a un qui aime bien la photo? Charlatan aime bien la photo? Non, je crois pas. Non. Simon T. Christo, elle aime bien la photo? Non. Après, elle avait un chauffeur, l'autre. Alpinisme noir, Black Mamba. Qui aime la photo? Ouais, c'est pas facile, hein. Bon, bah non, y a pas de... ça me donne pas d'indice, ton truc, sa photo, là. C'est nul! Allez, on va sur le fleuve. Putain, un drapeau avec une feuille d'érable. Ça me dit pas à quoi il ressemble, hein. Et on est jeudi, hein. Putain. Oh là là, mais quelle arnaque, hein. Oui, oui, ok. Allez, dites-moi donc à quoi il ressemble. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'on fout la pression là? C'est quoi ce travail? Ah, ça me dit pas qui c'est. Ça me dit pas qui c'est. Alors, il reste qui? Véhicule. Oh, limousine, non, parce qu'il avait un chauffeur. Hein. Hobby, tennis, musique, alpinisme, artisme, natation, croquet. Je sais pas quel est son hobby. Oh, putain, vérification. Bon, voilà. On tente ça, mais je suis pas convaincu. C'est lui. Est-ce que c'est lui? Yes, ils vont la vallée. Eh oui, des calembours de haute qualité. C'est lui ou pas? Ah, c'est bon. Allez, next. Oui, prochaine enquête, on y va. On y va, on y va, on y va. J'essaie de vous caler un petit peu de musique quand même, non? On va essayer un truc. mais je suis prête pour l'enquête toujours. Oh, voilà, Tokyo. Le butin, l'épée d'un samouraï. Encore un homme. Toujours une semaine. Le Japon, entre tradition et modernité, est un petit archipel montagneux. Ah, ma Spotify plante, dis donc. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire si Spotify plante? Je suis perdu, moi. Pff,
totalement planté ce truc. Mais écoutez, on reste dans le silence alors. Allez. Les peintures murales étrusques. Bon, c'est italien ça. Drapeau vert, blanc et rouge. Oui, bah c'est l'Italie. Il pratiquait des sports dangereux. Alors, hobby, tennis, musique, alpinisme, parachutisme peut-être. Attendez, je vais essayer un truc. Bougez pas, je vous mets l'écran, be right back. Alors, est-ce que c'est mieux? Avez-vous de la musique là? Je pense que oui. Allez, j'ai mis l'OST de Sonic Frontiers tant qu'à faire. J'espère que j'aurai le droit. Alors, tac, donc, nous avons donc... Salut JP! Un malheur dans le textile. Ok. Italie donc. Comment ça va, JP? Allons à Rome. La musique est très 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 basse. Mais écoutez, je vais monter la musique alors. Comme c'est un peu monté à l'arrache. Alors, où qui c'est qui est le méchant? Il est là toujours. Il a choisi son argent à Cruzados. Ok, d'accord. Cruzados, c'est en Amérique du Sud, ça. Un livre sur les porcs épics de la forêt amazonienne. Alors, est-ce que le porc épique est un marsupial? Un bouquin sur les porcs épiques. Ouais, j'ai pas trop de... C'est pas un vrai indice, ça. Hein. Bon, par contre, je pense qu'il va aller au Brésil, du coup. On va quand même prendre un petit indice en plus pour voir à quoi il ressemble. Oui, bah, c'est le Brésil, d'accord. Ok, ça m'aide pas du tout, mais c'est le Brésil. Allez, Samba de Janeiro.
On entend Miyu, sans déconner ? On t'entend, Miyu, hein ? Il avait les cheveux noirs. Ah, bah quand même, hein. Miyu, bah, ça va peut-être plus en plus tôt maintenant le soir. Hein. Et du coup, plus ça va, plus elle gueule tôt. Bon, c'est un homme en tout cas, il a les cheveux noirs. Bon. Ça, c'est fait. Oui, mais le crime, tu vois, le crime ne... Le crime n'attend pas. On ne compte pas le tonne de CO2 face à la criminalité. Le mec, il a volé des pets de samouraï, d'accord ? Donc, rigole pas. Une nation insulaire, d'accord. Mais pas pour chasser les méchants en bateau. Enfin, voilà. Une nation insulaire, drapeau vert et blanc... L'Irlande ? Non. Ah bah c'est... D'à côté quoi ? L'Islande, c'est pas vert et blanc. Ah, c'est Moroni alors, hein. C'est genre l'île Maurice, hein. J'espère que je me trompe pas. Je sais pas si j'ai... Non, c'est bon, il est là. Miyu, arrête, s'il te plaît. Ok, des dollars, super. Ça me dit pas à quoi il ressemble non plus. Oui, bah, il va aux États-Unis. Ok, j'ai compris. C'est les States. Oh là là, il portait un casque. Ah, il portait un casque. Il portait un casque parce qu'il roule en moto. Voiture de course ? S'il avait un casque, voiture de course ? Eh ben non. Putain, je sais pas, hein. Portait un casque. Ça peut être qui, ça? Putain! Je sais pas qui c'est, le méchant, quoi. Un sport dangereux. L'alpinisme? Ça peut être Zeros. C'est que Zeros, comme par hasard, il est parti en vacances en Malaisie ou je sais pas où, là. J'en peux plus. Allez. On tente, j'en peux plus. Et on va aux States. On y croit. Connard. Ah, il avait une bague. Il avait une bague, il avait une bague, il avait une bague. C'est, j'espère que c'est lui. On avait dit j'en peux plus. Est-ce qu'il a une bague, j'en peux plus. Il a... Une bague. Yes, c'est bon, c'est bien lui. Ouh. Et une moto, voilà, la moto Black Mamba, c'est ça. Allez, on va la choper. La migration des yaks sauvages, ok. En fait, tous ces malfrats là, ils veulent juste se cultiver, hein. Ils arrivent à temps à l'époque, ils en seraient pas là, hein. Le marché de Copra avec les yaks. Où est-ce qu'il y a des yaks ? En Inde ? Copra, c'est où Copra ? Le marché de Copra. Copra. C'est l'huile de palme. Enfin, à moins qu'il... Ah, pff, il sera retourné en... Les yaks, ça en Inde. Oui, oui, il n'y a pas de yak à l'île Maurice, de toute façon, on n'a pas le choix, mais ça me paraît bizarre quand même.
Ça me paraît bizarre. Bon. L'hindi est l'anglais, langue officielle du gouvernement et du monde des affaires, font partie des 16 langues parlées dans le pays. Une république formée de 24 états et 7 territoires. On parle également le telugu, le tamoul. Miu, bois pas mon coca s'il te plaît, merci. Et c'est également le pays d'origine de S.S. Rajamouli, qui a réalisé notamment Ega, la légende de Baobali, évidemment, Triple R. Le jour où Triple R sort sur Amazon Prime, je vous promets, sur ma chaîne perso, on se fait une séance ciné avec RRR. On y danse le Natu Natu tout à fait. Ou bien Nacho Nacho en hindi. Allez. Ah, cette musique. Et une papouille pour Miyu. Pour Astanos, hein. Ah, bah elle m'attaque. Voilà, donc ça suffit. Musée, donc. Ça, c'est la musique. La musique de fin. De Sonic Frontiers. Elle est incroyable. Ok, donc on menace. Ah non, je voulais pas y retourner, non! Cette musique est incroyable. Voilà le suspect. Et non, c'est bon. Allez. En zonzon, mon gars. Je monte un petit peu pour plaisir. Pour faire ces griffes là. Allez, dernière enquête, et puis après on passera à Where in Time is Carmen Sandiego. Voilà New York. Ah, une femme! Le bouddhisme, ok. Ça peut être plein de pays différents. C'est le boss... je vais pas spoiler. Un drapeau rouge, blanc et bleu. Mais c'est la France, ça. Vous l'achetez des battes au marché noir. Ah, c'est pas la France. Ah, c'est pas la France. Alors, où est-ce qu'on peut acheter des battes au marché noir, hein? Rouge, blanc et bleu. Ah bah, c'est Bangkok. J'ai trop envie de me refaire le dernier boss de Sonic Frontiers juste à côté de la musique. C'est fou, hein. C'est fou quand même ce jeu parce que je partais quand même hyper négative. Et puis finalement, le jeu il grandit en toi. Ah ! Putain. Elle avait les cheveux bruns. Ah, je l'ai pas. Mais en fait. Là, je suis contente parce que, vu que j'ai publié mon test de Persona 3, je vais pouvoir passer à un autre jeu. Et je pourrais peut-être enfin finir Bayonetta 3 avant d'attaquer Like a Dragon Ishin. Ouais, c'est ça, Arthanos. C'est hyper répétitif. Et c'est pas difficile. Et franchement, c'est un jeu qui est peut-être partout, mais... Je sais pas. Il a un truc, quand même. Il a un truc. Il a un truc, ce jeu. Un pays d'Europe centrale et elle aimait les fruits de mer. Alors, les fruits de mer. Les plats épicés, non. Les fruits de mer.
Sauf que elle a pas les cheveux bruns. C'est Catherine Osseros alors. Catherine Osseros, cheveux bruns. Raphaël des fruits de mer. C'est donc Catherine Osseros. Oh, j'ai pas assez d'infos. Est-ce que je peux... Site particulier, boîte, bague, tatouage, cicatrice. Attendant. Catherine Osseros, Catherine Osseros. Attends, elle m'a dit qui ? Simone Lisa aussi ? Elle a pas les cheveux bruns, Simone Lisa ? Ah si, elle a ses cheveux bruns. Elle aime pas les fruits de mer. Alors que Catherine Osseros... j'adore. Moi j'adore. Elle a un tatouage, Catherine Osseros. Catherine Osseros, c'est parti. On a dit qu'elle allait où ? Je sais plus où est-ce qu'elle allait. Mince, ils m'ont dit quoi les autres ? Ils m'ont dit qu'elle allait... Je sais plus où. Un pays d'Europe centrale, ok. Bon. C'est Budapest. J'espère aller en France, quand même. Le pont du Lion, qui enjambe le Danube, est une des attractions touristiques les plus prisées de Budapest. Ok. Je vais te la coincer, la meuf, là. Ok, c'est un peu niche, mais pourquoi pas. Gorilles de montagne, c'est en Afrique, ça. C'est là où Jeanne Fossé. Les gorilles des montagnes, ok, d'accord. Ouais, bon. Un plat de moules. Allez, on va à Kigali. Ah, j'ai caché mon verre. Eh, c'est pas un gorille de montagne. Hein. Rwanda. Ah, c'est marrant comment elle écrit Rwanda avec un U. Est-ce que le plat de moules, c'est une métaphore ? Le taux de change de l'inti. Je ne sais pas ce que c'est que l'inti comme monnaie. Un drapeau rouge et blanc, elle avait les cheveux bruns. Oui, monsieur, merci. Rouge et blanc, les compteurs l'inti. Ah, pas mal. Je valide. La blague est valide. Un drapeau rouge et blanc. Mais franchement, les indices redondants, c'est quand même casse-couille, quoi. Ils s'emboulent. Oui, le Pérou. Putain, c'est comment le drapeau d'Istanbul? De toute façon, la Turquie, c'est rouge et blanc. Allez, va pour Istanbul. Été sec et chaud et des hivers rudes. Tiens, on dirait une carte postale façon Cité de la peur. Hein. Ou SS. Le Turc est rude au froid. Ah merde, c'était pas la Turquie. Chier. C'était le Pérou. Le Pérou, c'est rouge et blanc ? Drapeau Pérou. Crotte. Putain, c'était le Pérou. Ah ! Allez, on va... Mais j'ai plus le Pérou, du coup. Ah ! Ah ! Il n'y a pas de... Chiotte. Fuck. Ah, purée. Ah, mince. Alors, comment je fais ? Je retourne à Kigali, de là, je vais retourner au Pérou, j'ai le droit.
Ouais, c'est bon, je porte mon nez. Attends, c'est quand même con de pas pouvoir directement faire l'aller-retour, quoi. C'est quand même mal foutu, hein. Blablabla, bla, 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 le Pérou, des articles, patati patata, patacoufin. Une contrepétrie pour... Il se foule pas, hein. Alors, anglo-saxon. Bon, c'est Londres. Hein, on va pas se... Là, l'hiver rude et les Turcs, non, je sais pas. Moi, je pense toujours, hein, c'est con, mais... dans ABC des Nuls, hein, dans le journal des Nuls, dans par ailleurs, hein, à un moment donné, t'as une brève Chantal Lobby qui dit « Les temps sont durs, les bites sont molles, les femmes se plaignent. » C'est tout complètement con, mais ça fait toujours rire. Et ben voilà, une arrestation en bonne et due forme. Ah ah ah, mais... Et en fait, c'est une conspiration. Non, je crois que c'est dans un PC des Nuls. Je suis sûr que c'est en plateau. En fait, qu'elle a refait dans Objectif Nul, mais je me souviens l'avoir vu en plateau. En fait, il y a un complot Carmen San Diego, je pense qu'elle arrose tous les policiers du monde pour me dissuader de l'enquiquiner, en fait. Et voilà. Une arrestation. Bon, c'est facile, hein. Franchement... C'est un petit peu bidon, hein, comme... C'est un petit peu bidon comme, comme épreuve, hein. Comme dire à Thanos, là, les... Putain, c'est que des drapeaux, quoi. Et en plus, c'est que des drapeaux. Quasiment. Drapeau, monnaie. Une info à la con sur un truc obscur du pays. Et en plus, c'est redondant. C'est redondant parce que t'as deux fois le même indice, donc c'est un peu naze, en fait. Bon. Elle a plus qu'une enquête pour une promotion. Ah oui, oui, c'est vrai, d'accord, oui, t'as raison, je me souviens de ce sketch. Allez, on passe au jeu suivant. On va passer au jeu suivant. J'ai coupé la musique, t'es fuck le jeu et de la musique. Voili voilou. Le jeu suivant, donc, c'est Where in Time is Carmen Sandiego? Et évidemment, comme j'ai la boîte, je vais vous lire le résumé en allemand et en français. Alors, où c'est l'allemand? Ah, Carmen Sandiego, die berüchtige, putain, Anführerin der internationalen Disberbande, Wille, stiehlt die Schätze der Geschichte. Es muss ihnen gelingen, sie zu fassen, ehe sie den Lauf der Geschichte ändert. Hunderte von Fällen durch 15 Jahrhunderten Software auf Deutsch. Alors, en français, Carmen Sandiego, célèbre chef de la bande Ligue internationale des scélérats du mal, Ville, c'est pas foulé hein, pour l'acronyme, voyage dans le temps en volant des trésors inestimables. Il vous incombe, et même il vous décombe, de l'attraper avant qu'elle ne change le cours de l'histoire. Des centaines d'affaires au cours des 15 siècles d'histoire. Le jeu est en français. Allez, go pour Carmen Sandiego. Where in... Ah, fuck. Carmen. Where in time is Carmen Sandiego? Allez, multilingue. C'est parti. En espérant que ça ne plante pas cette fois-ci. Bon, pour l'instant, il y a un peu de musique. Hello, Speedtourun, bienvenue. Eh, t'arrives pile poil pour le début de Where in time is Carmen Sandiego? Français, bien sûr. Comment ça va?
Ah, faut que je fasse un truc. Ah putain, c'est interactif en fait maintenant. Nickel. Je sais pas quoi faire. Lounge. Détective, c'est moi. Oula. Quoi? What? On se fout de moi? Je me fais troller dès le départ? Alors, c'est l'inverse. Ou alors, enfin, le sens de la phrase, on ne verse jamais d'eau dans l'acide. L'on dit, l'acide n'a jamais soif. Parce que si, alors, petit cours de chimie. Si on verse de l'acide dans l'eau, on a des projections de gouttes d'eau. Si on fait l'inverse, on a des projections de gouttes d'acide. Donc, c'est toujours l'acide dans l'eau et pas l'inverse. Voilà. Donc là, ça fait quand même deux burns en 5 minutes. Hein. Ouf. Ok. Ok. Ah, ok. Alors, mon nom, c'est toujours Shenaron. Ça n'a pas l'air beaucoup plus animé que le précédent, hein, en termes de musique et tout, là. On va remettre Sonic, hein, je pense. Féminin. Je suis une nouvelle recrue. Allez. Oh, mon chronobolide portable. Ok. Ah, alerte de crime. Yes, allez. Un voyage dans le temps a révélé que le premier dictionnaire aztèque a été volé en Mexique en 1455. Comment ? Un homme. Alors. Du coup, je vais prendre le manuel. Je prends le manuel. J'en profite. Fâche, boîte un peu sous le fer. Gros manuel. Hein. C'est bien épais. Un homme non identifié. Alors, comment est-ce que je compte. Attends, pourquoi. Il y a un coup de stabilo sur le manuel. Hein. C'est marrant d'avoir des jeux d'occasion parce que du coup, c'est dans son jus, quoi. J'ai un mot de passe. Je sais pas quel niveau c'est. Mais. Ah, c'est en English. Mais bon. Alors. Bouton du tableau de commande. Page 23. Attends, c'est écrit tout petit, la vache. Alors. Ouais, pour voyager, utiliser le pavé directionnel, juste pour travel, d'accord. Putain. Qu'est-ce que... C'est mal foutu. Pour les indices, pour search, interroger les témoins ou des informateurs et de passer en revue les lieux du crime pour obtenir des indices quant à la prochaine destination du criminel. D'accord. Ah, c'est ou search ou témoin. Ou un informateur, j'ai le choix. Ah, alors en fait, ah, c'est un peu subtil, parce qu'en fait, si j'interroge... Seul le témoin et l'informateur permettent d'obtenir des indices sur le personnage en question. Alors que je pense que, pour le coup, les informations, ça me donnera la destination où il va aller. Mais je pense qu'elle fait vraiment... Après, non, parce qu'en fait, elle est mi-anglais, mi-pas anglais, elle fait 55 pages x 2. Il faut tous les indices pour avoir le mandat d'arrêt. D'accord. Pour entrer les données, c'est dans data. Ok, d'accord. Bon, pour l'instant, on va continuer.
Ah, j'ai pas le choix. 39 heures d'utilisation. Ok. Ok, ok. D'accord, on y va. On met la musique, hein. On met la musique. Attendez, je suis paumé dans mes trucs. Missionnaires espagnols pendant cette période coloniale ont converti les autochtones au christianisme. Les temples indiens furent détruits et les églises chrétiennes furent édifiées. Hein? Alors, data. Ok, preuve. Donc c'est un homme. Voilà. Ça c'est fait. Alors, témoin, informateur ou... Attends, ça c'est quoi recherche? J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Qu'est-ce qu'on me dit, c'est 23 hein. Alors, search. Pour interroger les témoins ou les informateurs... Pour interroger un témoin, sélectionner témoin. Ok, d'accord. Je vois pas trop la différence entre le témoin et l'informateur. On verra bien. On va demander à un témoin. Il voulait manger du sukiyaki avec Ieyasu Tokugawa. Ah ! La transition avec Yakuza Ishin est quand même... voilà. Sukiyaki avec Tokugawa. Tokugawa... Il a des cheveux noirs comme la nuit. Ok. Noir comme la nuit. En tant que marchand de Nagasaki. Ok, bah c'est facile. Hein. C'est facile. Hein. Je vais au Japon en 1000... quelque chose. Hein. C'est quoi la recherche? Oh, bah j'ai trouvé. Ah oui! La vente de peinture à l'encre de Shubun. Bon, je vais aller au Japon. Évidemment. Ça va, c'est pas d'une complexité excessive non plus, quoi. Arrête de couiner Miyu, s'il te plaît. Shogun Tokugawa, au début du 7e siècle, une politique d'expulsion des Européens du Japon. Cet isolationnisme signifiait une certaine stabilité pour le gouvernement. On est en plein dans Yakuza Ishin. Hein. C'est tout à fait cette époque-là. Search. Témoin. Ah, les méchants sont là. La révolte des boxeurs. Hein. Tous USA, ça, je crois. Hein. L'autographe de Shu Shugen, son nouveau livre. Ah oui, t'as raison, pardon, attends, c'est des boxeurs. Oui, je m'en rappelle, maintenant que tu me le dis, parce qu'il y avait un épisode là-dessus d'un Buffy contre les vampires. Où il y a Angel et Angelus, tout ça, qui vont foutre le boxon en Chine. Et c'est là que Spike tue d'ailleurs une tueuse. Bon. J'ai pas besoin de plus, parce que de toute façon, j'aurais pas d'indice sur le personnage avec la recherche. Donc on va en Chine. Bah Miyu, pourquoi tu couines? Les forces communistes sous la houlette de Mao Tse-tung arrivèrent au pouvoir. Les nationalistes menés par Chiang Kai-shek furent chassés du continent à Taïwan. Ok. Allez. Un témoin. C'est un peu dégueu quand même visuellement. C'est pas joli joli. Hein. Est-ce qu'on soit certain des tout premiers polders? Les polders, c'est aux Pays-Bas.
Les yeux bleu foncé. Voilà. Alors, mandat entrée. Je suis. J'en ai marre. J'ai les cheveux bleus, j'aime voyager dans le temps, caresser les pandarous. On va quand même interroger un autre mec, on sait jamais. Voilà, Charlemagne dans les Pays-Bas. Charlemagne, c'est 1000 quelque chose, hein. Allez. Si j'en crois mes souvenirs de Crusader Kings 3, Charlemagne, et 2 du podcast Passion Médiéviste, Charlemagne, c'est quoi? C'est le 11e siècle? 10e siècle? Je sais plus. Les Frisons construirent des murs faits de pierre et de boue pour endiguer les flots de la mer. 750 Charlemagne? Mais oui, je compte n'importe quoi. Putain, heureusement que t'es là, Samos. Les zones de terre assez asséchées appelées polders furent converties en terres arables, mais bien sûr. Ah, oula, la bagarre là. Yes. Il est là. Je vais la voir. Et voilà, mais trop facile. C'est plus court que dans l'autre en plus. Elle est super celle-là. Je me le referai presque cette frontière. Mais alors c'est bon? C'est vrai, le DLC. Oui, bah putain. Franchement, j'ai un peu hâte. Après, je pourrais relancer, il me reste un succès. Il me reste un succès que j'ai pas. J'ai pas le succès des 50 frénésies parce que. À un moment. Il y a quelques. Je crois que c'est pendant les fêtes où Fip avait passé une OST de Sonic Adventure 2. Patrouilleur du temps. Et voilà, enfin un vrai salaire. On y va, on est prêt. Tian Tian a été volé au Pérou en 900. PS5 et PC, vache. Mais ça fait plus de. Ça fait quoi, 50 heures de jeu ça au total, hein? Miou, arrête! Une femme. Parce que pour le platiner, franchement... Bon après, c'est pas non plus un jeu qui demande de tout faire pour le platine. Il faut juste en gros avoir la carte découverte en entier et faire toutes les histoires. Putain, tous les tokens, hein, mais vous me... Parce que, autant tous les tokens, j'ai essayé sur la première île, mais après j'ai lâché l'affaire. Un portrait peint par Goya, d'accord. Philippe V, premier roi Bourbon. Ou c'est l'Espagne, quoi. Allez. Et t'as acheté l'OST. Bah écoute, bravo. Je dis, voilà, un vrai fan. Mais je pense le jeu a vraiment, je pense, suscité un engouement qui n'était pas du tout attendu, je pense, par personne. Et moi, la première. C'était la première surprise, en fait.
Et la presse était surprise. Et même, elle était surprise d'être surprise en bien par le jeu. Bah après, tu sais... Enfin... 100 balles, qu'est-ce que c'est pour 50 heures de plaisir plus le ST, quoi. Ah, c'est encore les Pays-Bas. Putain, c'est vite redondant, quand même. Hein. Elle préfère Jean Valjean à l'inspecteur Javert. Hein. Enfin, c'est, bah oui, mais comme tout le monde. Hein. Ah, attends. D'accord. Sophistiqué, peut-être. Fasciné par les peintres et écrivains français. C'est sûrement sophistiqué. Ah, sur l'OSB. Ah putain, l'OST à 100 balles. Parce que quoi, c'est un apport japonais, forcément. Charlotte aux fraises. Ah, c'est sophistiqué, je pense. Marie se tourne. Ah, les Misérables. On sait où sophistiqué, où c'est Marie se tourne. Est-ce que je peux... Eh, voilà. Bon, on va se balader. Polder, c'est Hollande. Un peu, t'as dû taper la douane. Hein. C'est un peu aléatoire, je crois, au Japon, la douane. C'est vrai que l'OST, il est quand même à boule. Hein. Enfin, autant... je suis pas fan des pistes, des niveaux de boost. Hein. De l'hyperspace, là. Mais par contre, dans les nappes hein, de musique du hub, elle est super, quoi. De toute façon, les Sonic, ils ont toujours un mérite, quelle que soit leur qualité globale, c'est que l'OST, elle est toujours coming tang. L'OST est toujours incroyable. Voilà, donc il n'y a pas de Sonic avec une musique pourrie, je pense. Chou Shugen. Oui, ben c'est encore la Chine. Ah, j'ai pas joué à Sonic Chronicles. Ce sera l'exception qui confirme la règle. Peut-être. Mais M06 qui est pas fini a une super OST. Quelqu'un lui avait donné. Alors, Alcuin. Sonic Boom, j'avoue que Sonic Boom, le jeu était tellement pourri que j'ai pas fait attention tant que ça aux musiques. Il y avait déjà assez, je pense, à faire avec tout le reste pour pas s'attarder sur la musique. Bon bah, Cambridge, je vais quand même faire un petit coup de search. Hein, doudou ? Hop, j'ai trouvé. Oui bah, Westminster. Allez, l'Angleterre. Sonic Boom, putain. Et je vais t'apporter volontaire dès l'annonce du jeu pour le test. Hein. Ah oui, si ça m'intéresse, pourquoi pas, gnagnagna, bah tu parles. Il va mieux casser une jambe. Hein. Il me reste que 12 heures. Hein. Bon, j'ai un mandat d'arrêt à lancer là. Ok. On va lancer mandat d'arrêt. J'en ai qu'une, hein. Victor Hugo, sexe féminin. Comment ça donne insuffisante ? Putain. Sophistiqué. Bah oui, forcément. C'est ou sophistiqué ou Marie se tourne. Alors, on va retourner voir les dossiers.
peintre et écrivain français. Et Marie se tourne. Putain! Je sais pas qui c'est, j'ai pas d'indice. J'ai pas assez d'indice. Cheveux bruns et yeux marrons. Et sophistiqué. Jean Bonneau. Sophistiqué, elle est cheveux bruns et yeux bleus. Putain. J'ai pas assez d'indice, hein. Moi, je l'ai fini, Sonic Boom, je l'ai fini. Et je l'ai fini avant qu'il le patch. On va tenter les yeux marrons. Voilà. On va tenter ça. Tant pis. Artiste. Marie Cassa, Edgar Degas. Il n'y avait pas Degas dans ses artistes préférés. Non, c'était Goya. Putain, je sais pas. Bah, Miyu, s'il te plaît, bébé. Tu peux. Allez, on tente. Une chance de toute façon. J'avais eu un bug bloquant sur Sonic Boom. À un moment donné, t'es sur une roue à aube, un bateau avec des roues à aube. Et en fait, tu alternes la phase de bagarre et une phase où il faut taper sur la roue pour que le bateau avance. Et à un moment donné, normalement la roue est pas censée se déclencher durant la bagarre, c'est vraiment une alternance. Ah putain, c'est pas la bonne. Si? Miyu, arrête! Mais... Ah, la fin avance rapide! Flûte, comment on retire l'avance rapide? Ah, Miyu! Pardon. Attendez. Mais oui, mais t'es chiante, bébé. Bon, après, c'est pas très grave pour ce jeu-là, mais... Au contraire, à la rigueur. Voilà, tout à fait. Donc en fait, on peut taper sur la roue pendant la bagarre, sauf que du coup, là, le bateau avait reculé. Et au lieu d'avancer, je t'ai bloqué, voilà. J'ai dû redémarrer le jeu à la sauvegarde d'avant. Alors, une peinture rare d'Ukiyo-e a été volée au Japon en 1450. Eh ben, allons-y. Une femme. 26 heures, c'est moins en moins. Ah mais c'est injouable. Miyu, comment on fait? Je te jure, qu'est-ce que t'as fait, bébé? C'est quoi raccourci pour avance rapide dans... Putain. Bon, on va... Ah! C'est pas facile, Miyu, hein. Bon, je vais quitter et relancer parce que je ne sais pas comment... Je ne sais pas. Voilà. Je sais pas du tout comment retirer l'avance rapide. Et ça le maintient. Je vais donc quitter RetroArch. Et relancer. Parce que là, je ne sais pas. Quitter RetroArch. On recommence tranquillement, c'est pas grave. Voilà. Allez, historique. Et, ah bah putain, j'ai retiré la sauvegarde rapide. Bonsoir Amar. Là j'utilise RetroArch et c'est Blastem, le cœur. Et attendez, il faut que je... Voilà. Voilà, donc c'est Blastem sur RetroArch directement sur PC Windows. Avec quelques petits filtres un peu personnalisés pour que ça ressemble vraiment bien à ma télé cathodique. Qui est à côté de moi, mais j'ai la flemme. Donc c'est une femme, hein. On avait dit, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher là? Témoin. Le Kuomintang. Putain, c'est hyper redondant quand même, hein. Les cheveux à cajou. Alors, des cheveux à cajou. Blond, brun, roux.
Akajou, c'est roux, hein. Ambassade d'Extrême-Orient, général George Marshall. Oui, ben, c'est la Chine. Hein, c'est la Chine. Allez, travel. Go. Je sais pas si ils sont sortis en des compilations sur GOG, les Carmen San Diego, faut que je regarde. Le pont de Londres. D'accord. Ok, d'accord. Elle... Sa romance préférée fut exilée par Napoléon III. Oh, c'est Victor Hugo, ça, non? Romancier exilé de Napoléon III. Ah, une musique de boss. Victor Hugo, d'accord. Oui, bah oui, ouais, évidemment. Évidemment, suis-je bête. Hein. Victor Hugo. Yep. Ah, j'ai déjà eu, je suis con. Continuons. Allez, du coup, on va en Angleterre. Angleterre au Moyen-Âge. Hop là. Il me reste que 13 heures. J'ai pas intérêt à... J'ai pas le temps de niaiser, hein. Les gens du roi Arthur et des chevaliers à table ronde étaient populaires à l'époque. Diva patati patata, d'accord. Point, 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 point. Égyptologue Howard Carter, d'accord. Les peintures de danseurs de ballet. Alors, danseurs avec une faute d'orthographe. Les peintures de danseurs de ballet. Alors, qui a peint des danseurs de ballet? Oui, à ce point, des fois, elle vient, elle fait miaou, et elle repart. Alors, un peintre de danseurs de ballet. C'est pas Degas, non? J'en sais rien. Van Gogh, Marie Cassatt, Victor Hugo, Edgar Degas. On va essayer de calculer. Eh ben non. Bon, bah si c'est pas Acajou, c'est Brun alors. Peintre, danseur de ballet. Très poursuite en catégorie rose, là je ferai pas un malheur. Hein. Qui en a fait? Degas, c'est Degas. Voilà, vous saurez, peut-être que vous savez déjà, que c'est Degas qui peint des danseurs de ballet. Comme je suis tout à fait inculte en peinture, voilà, je l'ai. Sophistiqué. Allez. La pénicilline, nouvelle découverte d'Alexander Fleming. Elle avait les yeux bleus. Bon, ok. Alors, Alexander Fleming. Angleterre, du coup. Le temps est compté. Oui, oui, bon. Allez, on l'arrête. J'ai plus qu'une heure, comment je fais? Recherche? Mais j'ai pas le temps! Le Corbusier. Ça c'est français alors. Mais c'est horrible, c'est super dur hein. Mais... J'ai pas du temps de rassembler l'épreuve. Mais ça, c'est ça, c'est...
Ah, c'est abusé! Aïe, aïe, aïe! Mais oui, je suis prête, mais... Putain, j'ai pas assez de temps, quoi. En fait, ça rappelle un peu la société Time Stories, hein, où on est des voyageurs du temps, un peu la code quantum, on a un scénario à dérouler, en fait, comme c'est un peu de trial and error. Hein. On peut pas arriver dans le temps imparti la première fois, faut recommencer plusieurs fois. Ah, mais je suis dingue, là! Une femme, bon, ok. 40 heures, hein. Ouais, d'accord. Un petit trou à nouveau. Ouais. Ah, je suis dégoûtée, là. Putain, ouais, en fait, Kermit and the Go, c'est un jeu pour les pro-gamers. Hop, je perds 3 heures, quoi, déjà. Bon, c'est une femme, hein. Vas-y, passe en code violet. Je me sentirais bien plus à l'aise si mes patients en code violet. Allez, code violet. J'ai pas d'indice sur sa tronche. Et ma foi, sur sa tronche. Ah, elle. Hein. La nouvelle écrite par les femmes américaines et américaines. Alors. Donc. Artiste. Ça doit être Marie Cassa. Ah, écrivain, pardon. Victor Hugo, non. Rudyard Kipling, non. Catherine Anne Porter. Donc, le pont de Londres. Angleterre. C'est pas sorcier en termes d'indices, mais alors t'as pas intérêt à trop en demander. Hein. Mandchourie, donc encore la Chine. Les yeux couleur noisette et persan. Alors, les yeux sont couleur noisette. Ah, il y a noisette. Ah, ah. Gris, noisette, calculé. ouais, voilà, c'est une espèce de private joke de Night Trap. À un moment donné, t'as les personnages qui changent le code couleur hein, des caméras de surveillance, et une des nanas dit « Sentirez bien à l'aise avec le code violet !» Et se rester. Travel. La Chine, donc. Ouais, c'est du... C'est du lore, hein. C'est du lore du stream. Ah, t'as War in the World. Bah écoute, moi tu vois, moi j'ai uniquement War in Time. J'ai pas War in the World. Je me sentirais bien plus à l'aise si nous passions en code violet. Je me sens pour que vous profitez bien du son de l'alerte. Bah et on est vraiment pas du tout... On est très... On est beaucoup moins limité en termes de temps, en fait, dans War in the World. Là, franchement, t'as pas intérêt à trop niaiser, hein. Elle se rendait à un village de pêcheurs appelé Amsterdam. Ok, d'accord. Allez, travel. C'est trop facile. Il manque un niveau Génus, hein. À ce jeu, parce que là c'est vraiment trop simple. Je pense que même pour un gamin de 12 ans, un peu dégourdi, c'est trop facile. Oui, parce que je voulais pas non plus vous spammer le code violet tout le temps. Les temples à Elora. Ouais, bon. Elora, c'est où Elora? Je sais plus où c'est. Non, pas la Chine, non. Non, j'ai fait B. C'est pas bon. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Putain. Ah, faut que j'y retourne du coup. J'étais où? En Angleterre, hein. J'étais en Angleterre, hein. Putain, la perte de temps. Mais quelle loose!
Ah putain, évidemment. Putain, je vais réussir à me faire avoir, quoi. Ah, je me suis trompée encore. Oh, c'est pas possible, je vais me faire... Bonsoir, Don Pablo. Bienvenue, bienvenue pour ta première fois. J'ai fait du caca. Allez, France! Ah, Miou, elle m'a regardé, mais comme si j'avais un troisième œil qui me poussait. Je suis sûr que c'est même pas ça en plus. Mais voilà, mais oui, mais j'ai fait nappe. Hein. C'est foutu, c'est foutu. Comment je m'y retrouve maintenant? C'est foutu. En fait, tu te trompes une fois et c'est vraiment, c'est la mort, quoi. On va retourner en Angleterre, du coup. Après, je vais aller en Hollande, j'imagine. Là, c'est mort de chez mort, quoi. Ah non, c'est l'Angleterre récente, je crois. La roue de la fortune, qui est, je vous le rappelle, un meilleur jeu que Wayne's World. Ah putain, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Et je viens de dire, c'est trop simple, gna gna, mais non, putain, je fais n'importe quoi. C'est nul. C'est nul. Est-ce qu'il y a un game over dans ce jeu? Putain, mais quelle honte, quelle honte! Mais oui, c'est mort, voilà. Voilà. Voilà, je vais être dégradé. Je vais être dégradé, je vais être dégradé. Lilliputien. Voilà. Oui, allez, on se concentre. Wayne's World, c'est horrible. Wayne's World, c'est vraiment un jeu horrible. On a volé Teddy Roosevelt. Un homme. Ok, alors maintenant on se concentre. On se concentre. On n'est pas en mode speedrun. On a le temps. Bon. Voilà, celui-là on l'a. Lui on l'a. Bon, et ça c'est un homme. Voilà, tac. Un Porfirio Diaz, ça va être prison. D'accord, ça me parle pas. Guadalupe Hidalgo. Un écrivain anglais. Non, mais c'est Rudyard Kipling. L'écrivain anglais né en Inde. Alors. Mexique, forcément. Wano Kuroku. Jolie image. Bon. Vladivostok, ça c'est en Russie. Je me demande si ça suffit d'avoir Kipling. Non. Putain, fuck. Bah tu vois là c'est Where in Time is Carmen Sandiego, donc c'est un jeu éducatif d'enquête, il faut pourchasser des malfaiteurs à travers le temps et le monde. Ivan Krylov. Oui bah c'est ça, c'est en Russie. Voilà, en Russie. Mais c'est trop lent, c'est trop lent. Si j'ai pas l'indice maintenant pour son identité, je pourrais pas la capturer. Ah là 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 là. Allez, témoin.
restez jusqu'à la fin du stream, il y aura une surprise. Lima, c'est au Pérou. Les cheveux rouges orangés, c'est bon, c'est un rouquin. Mais si c'est un roux, quoi! Y'a pas 36, y'a pas deux roux comme Rudyard Kipling! Faut arrêter là, ou d'un moment. Bordel! Réminiscence, il dit quoi? Tous les vers demandent d'aller. D'accord, c'est quoi l'autre? Pas j'en ai marre? Non. Lilliputien? Non. Aérophagie? Damn! J'accuse, non? Fa! Polochon? Crotte! Mais il est roux! Flûte! Ah, mais c'est une femme, ça! Jean Bonneau. Bon sang. Ça peut être qui sinon? Ils m'ont dit quoi? C'est l'angoisse ce jeu, quoi. Ah. Aérophagie. Mais non, mais c'est réminiscence. Hein. Non, mais c'est sûr, c'est réminiscence. Il est tout seul. Cheveux roux, yeux marrons. Voilà, on va. Putain. Yeux marrons. Voilà, du coup, c'est réminiscence. Va de coup, Namiou, s'il te plaît. Il me reste que 4 heures. Hein. Je vais jamais y arriver. J'ai tout bien fait pourtant. Là, franchement, je peux pas. Putain. Je sais plus où il fallait aller. Pérou, c'était au Pérou. Putain, mais quelle angoisse. Je pensais pas autant stresser en jouant comme à San Diego. Hein. Je vous avoue que. Attends, mais c'est pas lui, là? C'est impossible, on est d'accord. J'ai tout bien fait. Je peux pas à la fois enquêter sur son apparence et sur là où il va en si peu de temps. C'est débile, hein. Putain, mais trois d'affilée, quoi. Trois d'affilée. Trois loupés d'affilée. Mais hiérarchie là. Mais j'ai pas le temps. On me donne pas les moyens de faire mon travail, qu'est-ce que je vous dise. Mais oui. Bon, dernière enquête de la soirée, après on va se coucher parce que ce jeu m'énerve. Voilà. Ça m'énerve, ça. Ce truc là. Jean-Pierre Bacri. C'est n'importe quoi. Mais oui. T'es pas en vacances, toi? Oui, j'ai réussi. Alors, j'ai réussi la première enquête. Salut, Dom, bienvenue. Ouais, bah t'arrêtes. Pff, tu sais quoi? Je suis pas la meilleure détective du monde. Je suis l'inspecteur Gadget, mais qui n'aurait pas Sophie. pour l'aider. Là, vraiment, c'est la débandade complète, quoi. Autant War in the World, ça allait. C'était la balade des gens heureux, quoi. Mais alors, là, War in Time, c'est Tandax. En plus, il est fort en karaté, Tanama. Ah là là. 27 heures. En plus, je pense que c'est totalement random, en fait. À mon avis,
t'as du RNG de ouf hein, sur le temps disponible par rapport à l'enquête à faire. Hein, et c'est trop mal foutu, quoi. C'est méga dur. C'est méga dur. Alors, c'est un homme, déjà. Hein. Bon. Ah. Cheveux auburn. Putain, mais c'est pas... Mets-moi des vraies couleurs. Mets-moi des vraies couleurs. Hein. C'est quoi tes cheveux auburn? C'est brun, c'est roux. On va dire brun. On va dire brun. L'invention de Watt. Ou Angleterre. En fait, tout à l'heure, on m'a dit... on m'a dit quoi comme couleur? Acajou. Et pour moi, acajou, c'est un peu rouge, quoi. Et non, c'était pas roux, c'était brun. Donc, Emilien et le commissaire Gilbert réunis. Putain, j'ai pas la ref, là, je suis désolée. Témoin, ouais. Bon, au moins, je suis... Ah, ok. Attends, moi... Ah putain, les cinéphiles! Jeanne de Witt, de la maison imminente. Il me faut son apparence. Franz Hals. Les yeux couleur ardoise. Putain. Ardoise. Ardoise. L'ardoise, c'est noir. Hein. Bah pff, oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. L'ardoise, c'est noir. De toute façon, j'ai pas tellement le choix. C'est pas une grille aussi, mais ce serait quand même... Ah, y a pas noir. Donc c'est gris. Si je calcule, hein, ça me... prend du temps ou pas? Non, je pense pas. Ah, c'est bon, je l'ai. J'accélère. On va où, d'ailleurs, on va où? On va en Hollande. Écoute, prends des notes, hein, parce qu'il y a plein de calembours. Hein. Ça rappelle un petit peu les noms des joueurs de foot dans les jeux de compas de licence. Si vous voulez voir la liste de tous les méchants. Donc, Lilliputien, Réminiscence, J'en ai marre, un classique. Sophistiqué, Aérophagie. J'accuse, Charlotte aux fraises. Polochon, Ivoirien. J'accélère, Marie Stone. Moi, je suis très fan de Marie Stone, quand même. Anisette, André sans frapper, Anatomie, Jean Bonneau. Et voilà. Franchement, il y a du niveau. Hein. La fondation de Grenade. Allez, Grenade. C'est en Espagne, Grenade. On y va. En fait, ce qui est un peu con dans ce jeu, c'est que tu voyages dans le temps et dans l'espace, mais de toute façon, t'as pas souvent des pays qui sont redondants entre deux périodes. Donc, c'est tel pays ou l'époque, tu t'en fous, quoi. Allez, profite bien de tes vacances, Zeros. Alors, Saint-Empire romain germanique, hein. C'est. Ah! Ok, nouvel indice. Hein. Parce que Saint-Empire. Ah, bah oui. Je suis pas convaincu par l'exactitude des informations distillées. Distillées là-dedans, quoi.
Il me reste 2 heures. J'ai tout bien fait. J'ai demandé un indice en plus pour être sûr. Putain. Charlemagne est un des premiers grands rois de France. C'est pas un roi de France, hein, Charlemagne. Hein. C'était l'empereur des Francs. Hein. C'était pas un roi de France, hein, vraiment. Ça, c'est l'histoire à la Laurent Deutsch. Hein. Je l'ai eu, là. Ça, c'est ma dernière chance de l'avoir. Hein. Ah, c'est bon. Wow, papa. Mais c'est pas possible, quoi. C'est tendu, hein. C'est vraiment tendu, hein. Bah c'est bon, on lance le robot, là. En fait, c'est mal formulé, je pense, parce que... Le Saint-Empire, hein. Bah, Charlemagne était vraiment l'empereur, hein. Ça c'est... Oui, ça c'est clair, c'est l'empereur des Francs, Charlemagne. Mais c'était pas le Saint-Empire, hein. Donc c'est faux. C'est faux, mais c'est faux. Attendez... Oh putain! Mais je comprends pas! Je ne comprends pas! J'ai mis la bonne couleur de cheveux, j'ai mis la bonne couleur d'yeux, j'ai mis la bonne couleur de tout, là. Et j'ai même pas le bon suspect. Putain. Ah, mais quel... Ah, mais c'est ce soir, c'est échec sur échec. Bon, allez, on tente quand même d'en faire une avec succès ce soir. Mais c'est encore là, ces ronds de cuir derrière leur bureau là qui empêchent les flics de terrain de faire leur travail, mais bien évidemment. Bon, une femme. 41, ils ont pitié de moi quand même. Mais ouais, nous on les arrête et eux ils les relâchent. Voilà, voilà, où est-ce qu'on en est. Ah là 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 là, mais pff. Mais pff, voilà. Donc c'est une femme en tout cas. Bon. Titanic. Ok. À quoi elle ressemble? Donne-moi un indice. Ah, Titanic, États-Unis. Attends, Orwell. Putain. De toute façon, c'est 1900. Voilà, c'est 1900, pas de problème. Angleterre du coup. Oui! Titanic, c'est 1907, par là. De toute façon, Orwell, c'est... Ouais, Orwell, c'est le 20e siècle, de toute façon. 1912, merci d'homme. Ah, 1908, ah. 1907, non? Ah, cette musique est superbe aussi. Alors, la première du Boléro de Ravel. D'accord. Elle préfère Jean Valjean à l'inspecteur Javert. Il faut encore me faire le coup de deux gonzesses comme toutes les deux de la littérature française. Le Boléro de Ravel. De toute façon, on n'a pas 36. Hein. Italie. Ça passe vite, 30 heures. Hein.
Non, non, le Boléro de Ravel, c'est... Ah, non. Ah, putain, c'était en France. Fuck. Où est-ce que j'ai commencé? C'est mort. Mais c'est nul, hein. Abort. C'est quoi, abort? Abort, abort. C'est lamentable. Nouvelle affaire. Voilà, c'est... Mais oui, mais j'ai... Mon manque de culture générale qui s'étale comme ça à la face du monde. Oh, enculé. Oh, pardon, mais... Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. C'est un japonais, c'est pour ça, les BLV, c'est pareil. Hein. Une femme. Je veux voir les moyens de mes enquêtes, ok? Moi, je marche comme ça. Je marche comme à l'instinct, tu vois. C'est my gut qui parle. J'ai pas la patience pour ça. Vraiment pas. Allez, une femme. Pablo Casals. La toilette. Alors, la peinture, la toilette. C'est Toulouse-Lautrec. Ou Degas. Je sais pas. La toilette, normalement. La toilette, Toulouse-Lautrec. Alors, est-ce que j'ai des nanas qui aiment bien? Oui, comme ça, ce qui est hutch, oui, enfin... Y a pas Lautrec. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Y a pas. Donc, François Boucher. Pierre Bonnard. Je sais pas, il a fait un truc, la toilette Van Gogh? Non, j'ai pas l'impression. La toilette de Degas. Il a peint après le bain, Degas. Donc, ça peut être Degas. Mais, je suis pas... Marcel Duchamp fait les toilettes, tout à fait. Tout à fait. Elle m'a dit quoi le premier, où est-ce qu'il fallait aller? Il n'y a pas Boucher dans le choix. Bon, ah putain, André Segovia, c'est quelle année ça? Il est trop facile, hein. Ah, je t'en foutrais, c'est trop facile. André Segovia, il est né en 20e siècle. Hein. 20e siècle. Donc, Espagne, 20e siècle. De toute façon, dès qu'il faut peindre une nana, le cul nu, voilà, ils ont tous fait. Ah, putain, c'est bon. Ah bah, c'est le Japon. C'est le Japon. Bon. Facile, pour le coup. Tout à fait, Hiroshima. Waouh. Je connais pas la ville. Hein.
Bon. Entre les moulins à vent et Cervantes. D'accord, les moulins à vent avec Cervantes. Elle a les cheveux blonds. Cheveux blonds. Bon. Ça peut être qui? Ça peut être qui alors? Lilliputien ou Anisette? C'est pas le but, hein. Justement, il faut empêcher de changer l'histoire, hein. Lilliputien ou Anisette? Alors. Non. Lilliputien, elle aime bien. La nef des fous. Ouais, d'accord. Et Anisette. Cup of tea. Alors, cup of tea, qu'est-ce que c'est ce tableau? Cup of tea, cup of tea. Putain. Même les noms des tableaux sont pas bons. Eh bien, je ne sais pas. Un Degas ? Ah oui, c'est Degas. Enfin, ouais, ça concorde pour du Degas. Je pense que c'est ça. Je vais un petit peu attendre. Ah, je veux déjà interroger lui. Bon, ça c'est l'Espagne, ça c'est sûr. C'est sûr que... Bon, allez, il faut feuilleter. Allez, universaliste. Alors, ok, donc VW. Bla. On avait tout l'univers chez nous. Je sais pas si vous l'aviez, les, tout l'univers. Hein. Oh! Eh bien, merci pour le raid, Quack. Tu jouais à Gunbare Goemon 3. Bah écoute, merci bien. Bienvenue tout le monde, bienvenue au Quack-Quacker. On joue à Where in Time is Carmen Sandiego sur Mega Drive. Hop, le voici. Et c'est giga dur. Je pensais pas. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. C'est infernal. Le dernier par des parents mères de Lindrea Doria. Bonsoir Ivor Moon, bonsoir Ibrinator. Bah ça avance, je pense que j'ai échoué sur 5 enquêtes sur 6 pour l'instant. Donc, Lindrea Doria. Est-ce que j'aimais... En fait, il faut trouver des indices sur l'identité, on va dire, de gars. D'un criminel temporel, hein, qui a piqué un truc et qui s'échappe dans le temps et dans l'espace. Magnifique! Magnifique! Ok, j'ai même pas toutes les preuves. Ah, est-ce que José Orozco... Est-ce que José Orozco, il a peint... une tasse de thé. Et en fait, il faut... Voilà, des indices, des témoins te disent « Ah ben, j'ai vu le criminel, il aimait bien Victor Hugo. Ah ben, j'ai vu le criminel, il se dirigeait vers la révolte des Boers. Hein. » Et comment t'écris Orozco? Et en fait, c'est infernal parce que il faut à la fois... On est limité en temps, en fait. Chaque action prend du temps. Je faisais Orozco avec un Z. Et interroger un témoin, ça prend du temps. Impressionniste. Hein. Pff, et franchement, je sais pas trop. Hein. Et le temps est compté. Je pense que le temps est donné de façon un peu aléatoire. Hein. Alors. José Orozco, ça marche ou pas? Ah, mais nique-toi. Mais en plus, je suis sûr que c'est pas... En plus, c'est plein de bêtises. C'est tout... c'est plein d'âneries. C'est plein de bêtises, en fait, en plus. Parce que, genre, ils disent, oui, Charlemagne a fauté Saint-Empire. Saint-Empire, là, c'est pas vrai.
Bah, comme le jeu n'a pas beaucoup de musique, on a mis Sonic Frontiers, effectivement. Attends, j'ai une heure de calcul. C'est horrible. Putain, c'est pas possible. C'était quel suspect sophistiqué? Non. C'était pas sophistiqué, il y avait... Marie Stourne? Non. Anisette, c'est ça? Anisette. Cheveux blonds et yeux bleus. Franchement, je vais mettre... Pour moi, c'est Anisette. Cheveux blonds, yeux bleus, Rudyard Kipling. On y va. Cheveux blonds, yeux bleus, Rudyard Kipling. Moi, j'y vais là-dessus. Ça, ça me prend une heure de calculer. C'est infernal. Allez. Travel maintenant. Italie, ça c'est facile. Attends, j'espère que c'est elle. J'ai eu 3 échecs consécutifs, je crois, de pas rattraper la meuf ou le mec dans les temps. Un échec, mauvais mandat d'arrêt délivré, donc voilà, j'ai pas le bon mec. Ah, c'est là. Alors, si je l'ai, je rate le stream. Si j'arrive pas, je continue jusqu'à ce que j'ai une réussite, mince. Eh, on croise les doigts. Hein. On croise les doigts. Alors. C'est pas Carmen, hein, vous emballez pas. Carmen, on l'a qu'à la fin, je pense. Oui, c'est bon. C'est Anisette. Ah, yes. Eh bien, que d'émotion. Bon sang. Ah. Bon. Allez, Anisette, heure de tête de nuit. Eh ben voilà, on a quand même réussi. Oh vache. Enfin, mais je suis Sherlock, de Hercule et Sherlock, le film avec Christophe Lambert et un chien, je pense, hein, plutôt. Hein. Quel... Ah là là, quel enfer. C'est vraiment difficile. Ça a l'air vraiment très très random, en fait. Mais bon, c'est réussi. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. C'était pas mal, hein. Je vais sauvegarder parce que, comme c'est un jeu que je possède, je finirai un jour. Donc, on va sauvegarder, donc ça c'est fait. Mais écoutez, du coup, merci à tous d'être passés. Merci à Quack pour le raid. On se retrouve jeudi prochain, je pense, hein, pour la suite, avec quasiment que des jeux de sport. Et puis, moi, je vais vous envoyer... qu'est-ce qu'il y a en... Oh, il y a du monde, là, un peu. Peut-être chez Nico Oni, tiens. Il joue à Sirène. Mais je vous invite quand même à rester un petit peu. Je vais vous lancer d'abord le fin de générique. Le générique de fin, pardon, parce que je vous ai mis un petit générique de fin. Qui est vraiment aux petits oignons. Bah écoutez, donc à la prochaine. Vous analyse n'est pas passé encore, puisqu'on est au H, donc ce sera peut-être la prochaine fois, vous analyse. On verra. Bonne soirée à tout le monde, amusez-vous bien. Allez, bye bye. Elle fait le tour de la terre, du Québec au Nicaragua. C'est la reine des cambrioleurs, de Paris jusqu'à Sydney. Elle montera un bateau, puis volera le Colorado. Dis-moi, mais où se cache Carmen San Diego? Dépouiller le Costa Rica, aller vers Kinshasa, de Moscou à Santiago, rien ne semble l'arrêter. Tomber tout lui appartient, l'Alaska est entre ses mains. Dis-moi, mais où se cache Carmen?
Carmen San Diego. Elle va de Shanghai à Cuba, de Lima à Prague, de Montana, Rio de Janeiro, Brésil. Yeah. Lisez Mona Lisa, faire le au Guatemala, puis à l'autre bout du monde, pour kidnapper un koala. Et vos coffres forts, car elle arrive au Canada, dis-moi. Carmen San Diego. Mais où se cache-t-elle? Dites-moi, mais où se cache-t-elle? Oh, dans un Himalawi, Bolivie, Yémen, elle va du Mali à Bali, à qui est du train? Yeah! Toutes les deux.